Salut les amis, donc aujourd'hui, nouvelle vidéo entre deux fabrications en bois. J'avais promis, j'avais dit que je ferais varier les plaisirs. Donc aujourd'hui, on va parler du multimètre numérique. Donc comment mesurer, comment s'en servir, les fonctions qu'il a, etc. Pour pouvoir faire tout ce qui est mesure dans la maison, comme des prises électriques, une installation électrique, etc. Même des piles d'ailleurs. Allez, je vous montre ça, c'est parti! Donc, qu'est-ce qu'on voit sur le cadran? Donc, déjà qu'il y a plusieurs couleurs qui correspondent à, eh ben, à des mesures différentes, tout simplement. Donc là, vous avez tout ce qui est mesure de résistance. On voit le signe, hein, ohm qui est ici. Donc toute cette plage orange, là, c'est fait pour mesurer des résistances. Donc il y a des fonctions, bon, comme là, c'est plutôt pour des diodes. Donc ça, on va pas trop en parler, on va éviter, hein. Là, ce petit carré, là, je sais pas si vous voyez bien. Ce petit carré qui est là, c'est pour mesurer des condensateurs. C'est marqué MF, donc comme microfarad. Après, ensuite, bon, ça on va éviter parce que c'est plus tout ce qui est hertz et tout ça, donc ça on va pas trop en parler non plus. Là, par contre, vous avez plusieurs cadrans, je sais pas si vous voyez. Donc là, vous avez un petit signe qui est ici. En fait, c'est un trait avec plusieurs pointillés dessous. Donc ça veut dire que c'est en courant continu. Que si vous regardez bien en dessous, il y a aussi la petite vague là, et c'est marqué, et c'est en fait c'est du courant alternatif. Donc quand c'est des vagues, c'est alternatif, et quand c'est avec une barre avec des petits points en dessous, c'est continu. Donc même principe pour les ampères. Les ampères, là c'est une vague, donc c'est alternatif, et là c'est continu en ampères. Donc voilà. Donc comment brancher les probes de test? Donc vous avez quatre emplacements là sur le multimètre. Donc ce côté-là, côté droit, donc ces deux emplacements, sont faits pour mesurer des tensions électriques. Donc ça peut être très bien dans une prise, comme sur une installation électrique. Et le côté gauche, c'est fait pour des intensités électriques. Donc l'intensité électrique, c'est un peu le débit, la vitesse, on va dire le débit, la vitesse et la quantité d'électricité qui passe dans un point donné d'un circuit électrique. C'est un peu comme une rivière, on m'avait dit ça un jour, c'est un peu le débit d'une rivière, c'est la même chose. Donc ça, pour l'instant, on ne va pas s'en occuper, ce côté gauche. On va s'occuper du côté droit. Donc comment je branche mes probes de test? Donc évidemment, il en faut deux, parce que le courant doit passer d'un point à un autre. Donc, eh ben, je prends la fiche rouge, la probe de test rouge que je branche ici. Et la noire, c'est un peu la référence que l'on met ici pour pouvoir mesurer que le courant passe entre les deux probes de test. Ça fait un peu comme un circuit continu, comme une boucle si vous voulez. Donc tout d'abord, je vais l'allumer. Donc là, je vais mesurer ces trois piles. Donc elles sont toutes en 1,5 volts. Donc courant continu. Donc 1,5. Là, je suis à 6, donc c'est largement suffisant. Il faut toujours prendre le calibre au-dessus, hein, pour éviter d'avoir des soucis pour endommager le multimètre. Si vous mettez un calibre en dessous, ça peut l'endommager. Bon, normalement, il y a un système de fusible dedans, ça risque rien. Mais je conseille quand même de prendre la valeur au-dessus. Donc après, eh ben, je prends mes probes de test. Voilà. Donc là, peu importe le sens au niveau de la pile, hein. Donc je ne sais pas la valeur puisque je les ai sorties, bon, elles doivent être neuves, donc là, je mets un premier. Attendez, je vais vous pousser un peu ça. Voilà. Donc là, je me mets là, par exemple. Si j'y arrive, bien évidemment. Voilà. Et tac, vous voyez, et là, on est 1,27 volts. Je vais vous faire... Vous voyez pas très bien. Je vais vous montrer en plus clair. Donc je recommence. Hop, voilà. Donc là, on affiche, hop, voilà. Donc là, je suis à 1,27, donc 1,5, donc elle a un tout petit peu déchargé. Donc je vais mesurer les autres. Là, c'est du 1,5, il me semble aussi. Oui, c'est ça. Donc je regarde. Le problème, c'est qu'elles sont toutes ensemble, et des fois, ça les décharge. Vous voyez, celle-là, elle fait à peine un volt, donc à mon avis, elle en a un coup dans les carreaux. Je m'en doute un petit peu. Et celle-là, 1,5, vous voyez, c'est marqué dessus comme le port salut. On peut pas se tromper. C'est pas facile à tenir avec ces probes, j'avoue. Hop. Voilà.
Donc 1,36, là, bon, elle est pas mal, hein, tout petit peu déchargée, mais bon, le problème, c'est que voilà, faut éviter de les stocker tout ensemble, comme je fais. C'est pas très bien, mais bon, ça nous fait une démonstration. Donc on va passer directement après, on va passer aux résistances. Donc ensuite, on va passer aux résistances. Donc je me suis trouvé un petit circuit, là, que j'avais récupéré. Donc on va mesurer cette petite résistance qui est là. Je sais pas si vous la voyez bien, elle est là. Donc là, c'est pas dur, hein. Je vais mettre une probe de test d'un côté et une probe de test de l'autre, comme la pile. Donc on y va. Donc déjà, je me règle. Donc je me règle en ohm. Donc je vais me mettre sur cette valeur là, en bas. Et on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Une probe là, une probe là. Voilà. Et là, on n'a rien qui se passe. Donc là, on peut dire que je dois avoir un calibre au-dessus. Donc, je vais baisser un peu. Sachant qu'il faut quand même qu'on sache la valeur. Ça serait bien. Voilà. Donc là, on l'a. Donc, ça, c'est le problème. J'ai bougé. Voilà. Donc, la valeur est de 4,772 kilo-ohms. Donc, quand vous avez marqué ça, OL, par exemple... c'est que vous êtes un calibre au-dessus. C'est plus embêtant qu'en dessous. Il faut éviter de le faire. Mais bon, il n'y a rien de grave. Par contre, si vous avez marqué 0, c'est que vous êtes dans un calibre en dessous. Donc par contre, il faut monter en calibre à ce moment-là. Donc ensuite, on va mesurer la tension dans cette prise électrique. Donc tout d'abord, déjà, je change de calibre, forcément. Puisque là, j'étais en ohm. Donc il faut que je passe en courant alternatif, je ne sais pas si vous vous rappelez, la petite vague qui est ici, avec le V devant. Donc il y a plusieurs valeurs, j'ai 6 volts, 60, 600 et 750. Donc on va se mettre logiquement en 600, puisqu'on aura une valeur de 220 à 230 volts environ. Donc je tourne la petite molette, voilà, je me mets sur 600. Donc je vais vous mettre là, vous voyez bien. Donc j'espère qu'il ne va pas se casser la figure, normalement non. Et après, je prends mes deux probes de test et je les enfile dans les trous. C'est le même principe que la pile. Donc, une probe de test dans un trou et l'autre dans un autre trou. Donc, on voit bien qu'on a une valeur de 232 volts, 4,5. Donc, on a une tension électrique dans la prise électrique. Donc, je voulais préciser un truc sur ce multimètre. C'est qu'en fait, on a une fonction qui permet de mesurer un courant électrique ou une tension dans un câble électrique ou dans une prise ou même dans un disjoncteur. Et ce qui fait qu'on n'a pas besoin d'utiliser les probes de test. Donc je vais vous montrer ça. Donc vous vous mettez là, vous tournez votre petite molette sur NCV. Voilà, c'est le petit truc en gris à côté de off là, à gauche. Et après, vous venez appliquer votre multimètre. Vous voyez là, il bip. Donc là, ça veut dire qu'il y a du courant dans la prise. Donc ça, c'est bien. Après, vous mettez à côté du câble. Vous voyez là, on est encore plus près, puisqu'on n'a pas l'isolation de la prise. Donc ça veut dire qu'on a vraiment le courant est tout près. Donc ensuite, je vais vous faire un exemple fictif de la mesure de l'intensité électrique dans une installation à courant alternatif. Donc déjà, je me mets en courant alternatif, donc le petit A ampère et avec la petite vague à côté. Donc je me mets sur 20, par exemple. Donc on ne peut pas mesurer une prise de courant électrique, l'intensité d'une prise de courant électrique, comme j'ai fait tout à l'heure pour la mesure de tension. Car si vous mettez des probes dans chaque trou, comme j'ai fait tout à l'heure, en fait, vous faites toucher la phase et le neutre, et ce qui fait que ça fait sauter le compteur, enfin du moins le fusible qui y correspond. Donc, ce qu'on peut faire, par exemple, par contre, c'est mesurer l'intensité électrique avait à l'arrivée et à la sortie d'un disjoncteur. Bon, première chose à faire, donc vous avez réglé. Après, deuxième chose, vous coupez le courant au niveau de votre disjoncteur. Vous pouvez couper simplement le disjoncteur ou après vous pouvez couper le général pour plus de sécurité. Vous débranchez la phase, par exemple, on mesure la phase là, dans ce cas-là. Vous débranchez la phase de disjoncteur d'un côté, l'autre phase de l'autre côté du disjoncteur. Et vous allez avec vos probes de test
Une fois après avoir remis le courant, bien sûr, il faut prendre les dispositions, c'est-à-dire qu'il faut mettre les fils pas tellement loin, mais bon, pas trop près non plus, de façon à vous essayez de vous faire un petit les scotcher sur une partie plastique par exemple, et d'un côté et de l'autre, et comme ça elles sont en appui, puis vous y touchez pas. Et après, vous mettez vos propres de tests comme ça. Donc en fait, voilà, tout simplement, et ça va vous donner la mesure de l'intensité électrique qui passe dans ces fils. Donc vous voyez, vous pouvez faire comme moi, c'est-à-dire mettre des scotch sur la partie plastique, comme ça ils bougent pas, puis ça vous évite de les toucher, parce que mis sous tension, c'est sûr que ça peut être très dangereux. Donc ensuite, dernière fonction, pour mesurer les condensateurs, donc on se met ici sur microfarad, la petite fonction là qui est là, grise, donc je m'y mets. On prend un condensateur, donc celui-là il fait 68 microfarads. Donc on va mesurer. Mais bien sûr, comme d'habitude, on prend les probes de test. On y met. Là, c'est un peu plus compliqué pour mesurer, j'avoue. C'est qu'il faut bien y maintenir. Donc moi, je fais comme ça, tac. Et je prends l'autre probe. Si j'y arrive, bien sûr. Voilà. Là, il cherche. Vous voyez, 64,22 microfarads. Donc 68, donc on est bon. C'est un condensateur qui est bon, que j'avais récupéré sur je sais plus quoi. Donc voilà, toutes les fonctions de ce multimètre. Bon, j'ai pas tout cité parce qu'il y a des trucs comme les diodes ou même les hertz. Bon, c'est pas très très utile, on s'en sert quasi pas. Donc j'ai pensé, voilà, j'ai passé surtout en revue les fonctions principales de ce multimètre. Donc il y a aussi un petit plus sur ce produit. Donc déjà, on a le petit trépied derrière, donc on peut le mettre comme ça. Ça c'est bien, des fois on peut le mettre à un endroit qui tienne en équilibre. On a aussi le rangement des probes de test derrière, donc on peut les ranger comme ça. Je sais plus d'ailleurs, je le fais machinalement, moi. Voilà. Je vais vous montrer la deuxième, ce que ça donne. Bon, c'est quand même bien ça, je trouve. Voilà. On peut les ranger, donc il y a les petits capuchons qui vont dessus là pour protéger les fiches de test au bout là. Et il y a une autre fonction que je voulais vous montrer. Ça c'est pratique quand on est dans une cave, quand on fait de l'électricité, qu'on n'a pas beaucoup de lumière. Donc je démarre, n'importe où, on s'en fout. Et là vous voyez, il y a un petit truc avec une espèce de petit soleil. Et on appuie dessus comme ça, longtemps. Et ça met le... Ça met l'écran rétro-éclairé. Et derrière, on a la petite lampe qui va bien, vous voyez. Et puis qui peut éclairer dans les coins où on voit pas clair. Donc ça, c'est quelque chose qui est... Bon, c'est pas grand-chose, vous me direz. Mais ça permet quand même d'être éclairé dans les coins comme une cave ou même dans un garage qu'on n'a pas toujours du courant, enfin pas du courant, de la lumière partout. Donc ça, c'est une petite option qui est bien sympa. Une petite chose que j'ai oubliée, c'est ce petit emplacement là. Donc ça, c'est pour mesurer, pour mettre des transistors, pour mesurer leur valeur en fait. Donc c'est un petit détail, mais ça peut vous aider pour faire ce genre de mesure. Donc cette vidéo est finie. Donc je vais vous mettre le lien du multimètre en dessous de la vidéo. En même temps, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à en poser à cet endroit-là. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne Vie pratique des outils. Donc en attendant, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis bon courage pour vos prochains projets. Au revoir les bricoleurs!